Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Entretien. Aujourd'hui, nous faisons un spécial GDN et j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau la responsable GDN Ouest Africa, Madame Aka. Bonjour, bonsoir à vous plutôt. Bonsoir Patar. En tout cas, merci de nous avoir accordé cet entretien. Avant toute chose, voudriez-vous nous présenter GDN, la structure que vous dirigez? Alors, GDN, c'est le réseau mondial des œuvres de Pasteur Christ qui est représenté en Afrique de l'Ouest, particulièrement en Côte d'Ivoire, pour tous les pays francophones. Alors, GDN, c'est la structure qui distribue à travers le monde entier les œuvres de Pasteur Christ. Quand nous parlons des œuvres du Pasteur Christ, nous parlons de la rhapsodie, nous parlons des messages audio et vidéo et tous les livres que le Pasteur Christ a écrits. Alors, c'est pour cela que vous êtes venu sur le plateau, les bras chargés. Oui, les bras chargés de DVD, de livres, de CD, voilà, tout simplement, tout ce qu'il y a pour propager oui, le message. Oui, tout simplement pour dire à tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui désirent avoir les œuvres de Pasteur Christ que désormais, ces choses faites, ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous avez la possibilité d'avoir tous les messages de Pasteur Christ. Et comme je le disais, GDN n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai, nous sommes basés en Côte d'Ivoire, mais nous couvrons tous les pays francophones. Et donc, pour tous ceux qui sont dans les différents pays de langue française, il suffit juste de nous contacter ou de contacter les différents représentants qui sont dans vos pays pour avoir les œuvres de Pasteur Christ. Et donc, ce matin, je suis venue vous présenter la nouvelle collection de messages vidéo de Pasteur Christ, telle que l'onction du Saint-Esprit. Alors, l'onction du Saint-Esprit, c'est un message formidable où le Pasteur Christ enseigne au peuple de Dieu comment recevoir l'onction et comment garder l'onction afin que l'onction puisse se manifester chaque jour dans notre vie. Et le pasteur, à la suite, nous parle de énergiser votre esprit pour la victoire. Énergiser votre esprit pour la victoire. Quand j'ai écouté ce message, franchement, mon esprit a pris une autre dimension. Parce que le pasteur nous enseigne, énergiser, ça veut dire quoi? Votre esprit pour la victoire. Ça veut dire que notre esprit que nous avons, le Saint-Esprit que nous avons en nous, doit être énergisé, doit avoir une force. L'énergie nécessaire. Voilà, l'énergie nécessaire pour que nous puissions chaque jour marcher dans la victoire. Et comprendre la foi. Comprendre la foi, c'est un message merveilleux. C'est un grand message que le pasteur Christ nous explique parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que la foi? Comment pouvons-nous comprendre la foi et faire agir la foi dans notre vie? Et nous avons... Je peux l'avoir. L'impact du Saint-Esprit sur le corps humain. Lorsque vous écouterez ce message, je crois que vous ne serez plus malade. Parce que le Saint-Esprit a un impact sur notre corps. Et quel est cet impact? Comment nous devons faire agir le Saint-Esprit dans notre corps humain, c'est-à-dire notre corps physique. Okay. Et enfin, nous avons comment resplendir. Le pasteur Christ, dans ce message, nous enseigne comment se lever et au travers de la parole de Dieu, comment resplendir. Et comme Abraham a resplendi dans la vie, David a resplendi, mais tout ce, c'est avec le Saint-Esprit qu'ils ont pu accomplir ces grandes choses. Et donc, dans ce message, le pasteur Christ nous donne l'enseignement afin que nous puissions nous lever, afin que nous puissions resplendir. Et alors, nous avons ça, aussi... c'est du côté des DVD. Oui, alors, oui, mais les DVD, il n'y a pas que ces cinq messages. Il y a 10 nouveaux DVD. Et le grand coffret parmi les DVD, c'est Fils de Dieu. Fils de Dieu, le pasteur Christ nous donne 8 messages. Et dans ces 8 messages, le pasteur nous explique comment... Est-ce que nous avons été engendrés fils de Dieu? Comment est-ce que nous devons marcher? Et comment, qu'est-ce que c'est que, quand on dit fils de Dieu? Alors, c'est tous ces enseignements du pasteur Christ contenus dans les différents messages que je suis venu vous présenter ce matin, bien aussi les livres de pasteur Christ. Alors, entre autres livres, un que tout le monde s'arrache en ce moment, c'est oui, prier, le comment prier efficacement. Oui, le comment prier efficacement, c'est un merveilleux livre. Parce que dans ce livre, le pasteur nous enseigne qu'est-ce que c'est que la prière? Les différents types de prières et comment nous exercer par la prière? Et donc, il est vraiment important et c'est le livre le plus vendu en ce moment parce que tout le monde, nous savons que c'est seulement par la prière que nous pouvons être en communion avec notre Père. Et donc, la prière, c'est la nourriture, la prière, c'est le fondement de notre vie chrétienne parce que nous devons sans cesse prier. Et donc, dans ce message, le pasteur nous explique ce que c'est que la prière et comment est-ce que nous devons prier une prière efficace. Parce qu'il y a différentes manières de prier, mais la Bible nous enseigne quelle est la manière efficace
de prier. Et c'est ce que le pasteur nous donne, ces différents secrets que le pasteur nous donne, au travers de ce livre. Et nous avons la rhapsodie des réalités. J'allais en venir. La star des stars de Pasteur Chris, le best-seller, la rhapsodie des réalités. Alors, la rhapsodie des réalités, c'est le dévotionnel quotidien le plus vendu au monde. Dans la rhapsodie des réalités, vous avez la possibilité, vous avez la méditation. Vous méditez la parole de Dieu chaque jour. Du 1er janvier au 31 décembre, vous avez un message, vous avez une parole, vous avez quelque chose que le pasteur Christ vous communique afin de pouvoir grandir, afin de pouvoir marcher et d'avoir une vie de succès en succès. Et donc, la rhapsodie des réalités aujourd'hui est traduite dans plus de 180 langues, est distribuée partout dans le monde entier. Sur la petite portion de terre où il y a 2-3 habitants qui y vivent, la rhapsodie des réalités. On dirait que juste après la Bible, c'est vraiment le livre le plus lu. Oui, juste après la Bible, c'est le livre le plus lu parce qu'il est facile à lire, il est compréhensible dans un langage simple au travers duquel le Saint-Esprit nous parle. Parce que ce n'est pas le pasteur Christ qui nous parle, c'est vrai que c'est lui qui l'a écrit. Mais c'est le message qu'il a écrit, il le reçoit du Saint-Esprit. Et c'est au travers du Saint-Esprit qu'il nous parle. Et donc, quand vous faites la rhapsodie, quand vous méditez la rhapsodie, c'est la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui agit en fonction de ce que vous avez retenu, en fonction de cette méditation, et vous fait grandir chaque jour. Et donc, la rhapsodie des réalités est très, très importante. C'est vrai que nous avons tous les messages vidéo, nous avons les messages audio du pasteur Chris qui nous font grandir dans la foi. Parce que tous les différents messages que le pasteur nous enseigne, que le pasteur nous donne, quand vous l'écoutez, quand vous le pratiquez, il y a quelque chose qui change. Que vous soyez pasteur ou fidèle, et je conseille à tous les pasteurs de s'arracher ces différents messages pour pouvoir donner une autre dimension à leur ministère, pour pouvoir comprendre les secrets qui ont fait que Pasteur Christ aujourd'hui est un grand pasteur parmi les pasteurs de ce monde. Mm-hmm. Comment est-ce qu'il en est arrivé à là? Mais c'est simplement par la parole et la puissance du Saint-Esprit. Et donc, il nous donne ses secrets dans ses messages. Et donc, vous devez vous procurer ces messages pour comprendre et pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, tout à fait. Nous allons maintenant finir avec vous, Madame Aka. Vous allez nous donner les contacts, d'autant plus que GDN West Africa couvre le monde francophone. Je pense qu'il y a des représentations dans les pays francophones. Oui, alors, effectivement. Nous allons voir les contacts de ces pays. Effectivement, depuis que nous existons, par Beni TV, bien sûr, nous avons pu aujourd'hui couvrir de nombreux pays, tels que le Tchad, et vous verrez les différents contacts s'afficher au bas du petit écran. Et donc, nous sommes au Tchad, nous sommes représentés au Tchad par le bien de Maman Phoebe, nous sommes au Congo par le bien du frère Sedji, vous voyez le contact qui s'affiche, et nous sommes au Gabon. Au Gabon, nous sommes à la librairie chrétienne La Parole, et aussi à Port-Gentil, chez notre sœur Anne-Marcel Oliwina. Nous sommes au Mali, voilà, chez la sœur Adélaïde qui a un ONG là-bas qui s'occupe de l'œuvre de Dieu, de faire avancer l'œuvre de Dieu au Mali. Et nous avons enfin le Niger et le Bénin. Voilà. Alors, pour tous ceux qui nous suivent dans ces différents pays, vous pouvez contacter ces numéros qui s'affichent et vous allez recevoir tous les DVD, tous les messages que vous voulez chez ces différents représentants. Et les numéros de Côte d'Ivoire? Alors, les numéros de Côte d'Ivoire, c'est le plus 225, le 22 49 97 83, le plus 225 08 26 59 06 et le plus 225 03 22 05 64. Alors, tous ceux qui nous ont suivis, vous avez la possibilité d'être distributeur des œuvres de Pasteur Chris au travers de vous, répandre l'évangile dans votre pays, là où vous vous trouvez, contactez-nous et que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup Madame Aka, chers téléspectateurs, c'était Entretien. Aujourd'hui, c'était un spécial GDN. Nous vous avons présenté cette structure qui représente le Pasteur Chris en Afrique de l'Ouest, dans le monde francophone, et qui distribue donc ses œuvres. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ses œuvres sont traduites en français, ce n'est pas en anglais, c'est en français. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet entretien. Merci à vous, Madame Aka, d'être venue sur ce plateau pour nous expliquer toutes ces belles choses que nos téléspectateurs, j'espère bien, courront pour se procurer. Dieu vous bénisse, je vous que Dieu nous garde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt sur la chaîne des Bénis.